Dans l'État de New York, un moratoire sur les expulsions destinées à aider les locataires aux prises avec la pandémie de Covid-19 expire ce samedi. Un moratoire fédéral plus large avait expiré en août. L'État de New York l'avait prolongé, mais la gouverneure a déclaré que ce ne serait plus le cas. Nous avons parlé de donner une marge de manœuvre plus large, un peu plus de soulagement à court terme, et cela s'est poursuivi jusqu'au 15 janvier. Et c'est quelque chose qu'aucun autre État n'avait fait à ma connaissance. Ce que nous voulons faire, c'est faire savoir à la population que cela se termine. New York a ouvert un portail en ligne pour l'aide au logement, mais la gouverneure affirme que le gouvernement fédéral n'a pas fourni suffisamment de fonds. New York a demandé près d'$1 milliard, mais n'a reçu que 27 millions. Nous pouvons ouvrir un portail, les gens peuvent s'inscrire, mais cela dépend également du fait que le gouvernement fédéral fasse ce que nous voulons qu'il fasse, c'est-à-dire allouer plus de fonds à cette cagnotte. Les groupes des droits de locataires s'opposent à ce changement. Ils souhaitent que le moratoire soit prolongé, estimant qu'il est injuste d'expulser des locataires en plein hiver lors de la poussée du variant Omicron. Par ailleurs, à Washington, district de Columbia, de nouvelles réglementations relatives à la COVID-19 sont en train d'être mises en place. L'obligation vaccinale pour certains sites entre en vigueur le samedi 15 janvier à 6 h du matin. C'est donc un rappel à nos résidents et visiteurs qu'un masque sera requis, une preuve de vaccin sera requise, ainsi que votre pièce d'identité. Ces nouvelles règles s'appliquent aux restaurants, boîtes de nuit, concerts, cinémas, gymnases et autres commerces. Cela signifie que les clients devront montrer leur carte de vaccin des centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ou une photo ou encore un enregistrement numérique de cette carte sur leur téléphone. À Ryuka, un restaurant japonais du quartier du rond-point Dupont se prépare à ce nouveau règlement en affichant des posters et en formant le personnel. Nous y avons été préparés et nous essayons de former tout le monde pour obtenir une preuve de la carte de vaccination correspondant à la pièce d'identité. Ils savent pourtant que des problèmes peuvent survenir lorsque les clients s'adaptent aux nouvelles règles. Nous essayons de suivre les règles que le gouvernement nous donne. Je sais que ça va protéger tout le monde en termes de repas à l'intérieur. Mais bien sûr, il pourrait y avoir un problème. Parce que certains diront, je ne l'ai pas avec moi, j'ai une réservation, mais je n'ai pas la carte, que voulez-vous que je fasse? Alors, on l'a préparé, nous savons que ça va être un problème. À Washington, district de Columbia, on espère que cela contribuera à réduire les cas de Covid-19, tout en permettant aux restaurants et autres commerces de rester ouverts.